gars, c'est Olivier, j'espère que cette intro vous a plu, puisqu'aujourd'hui je vais vous apprendre à créer ces magnifiques effets de transition en zoom sous Adobe Premiere Pro CC 2017. C'est parti! Alors j'ai préparé un petit montage et on va donc créer nos transitions entre ces trois clips. Alors il y a plusieurs écoles hein, pour créer cet effet et personnellement je préfère passer par des calques d'effets plutôt que de manipuler directement les clips que vous avez ici. Donc on va commencer par créer un calque d'effet, vous allez ici dans Nouvel élément, calque d'effet, ok, et donc ça va vous créer un calque d'effet vide, vous allez le placer au-dessus de votre transition, on va ajuster un petit peu sa taille comme ça, pas besoin d'être très très précis pour le moment. Ensuite, on va vouloir en créer un deuxième, vous allez le sélectionner, faire CTRL-C, vous décochez la piste 1 et la piste 2, vous placez bien la tête de lecture ici au même niveau que le premier calque d'effet que vous avez créé, vous faites CTRL-V, vous en avez deux, celui d'en dessous, on va le réduire pour qu'il ne couvre que le deuxième clip, puisqu'il va avoir un effet seulement sur le deuxième clip. Et on va donc maintenant, notre base est prête en fait, on va pouvoir maintenant ajouter nos effets et notamment on va préparer le deuxième clip pour cet effet de zoom. Donc le premier effet qu'on va ajouter, c'est un effet qui s'appelle multiplication. Vous l'avez ici, multipli, qui est donc dans effet vidéo esthétique, multiplication. Vous faites un glisser-déposer donc sur le calque de la piste 2, le calque d'effet de la piste 2. Et donc dans les options d'effet ici, vous avez donc ce calque multiplication. Si je mets ma tête de lecture dessus, vous voyez que l'effet en fait nous a séparé notre image en deux en largeur et en deux en hauteur. Vous avez le nombre ici, on va le passer directement à 3 comme ceci. Et on va ajouter, là vous avez quand même des lignes qui sont très visibles entre chaque copie qui ont été créées. Et nous ce qu'on veut c'est faire en sorte que ces lignes-là, ces séparations entre les copies soient beaucoup plus lisses et moins visibles. Donc on va en fait créer 4 axes de symétrie, un à gauche, un en haut, un à droite et un en bas. Et pour ça vous allez choisir un effet miroir. Hop. Qui est dans effet déformation miroir, vous faites un glisser-déposer sur votre calque d'effet comme ceci. Et on va déjà travailler avec un angle ici, je vais vous donner les valeurs qui sont correctes si vous travaillez en Full HD comme moi. Vous allez choisir déjà un angle, alors ça c'est pour tout le monde, hein, de 90 degrés. Et donc si vous êtes en Full HD comme moi, donc en 1920 par 1080 pixels au niveau de votre séquence, vous allez modifier donc ici, non pas l'axe X mais l'axe Y, et vous allez choisir une valeur de 719. Alors je vous montre juste pour ceux qui ne seraient pas dans ces résolutions-là, si vous êtes en Ultra HD par exemple, en fait l'idée c'est, voilà, vous voyez que j'augmente ici la valeur, l'idée c'est de ramener la copie du bas afin de rendre ici la séparation beaucoup moins visible. Donc j'ai dit 719 dans mon cas, comme ceci, on va ensuite créer un autre effet miroir, vu qu'on a dit qu'on allait travailler sur 4 axes de symétrie. Cette fois-ci vous allez choisir un angle de moins 90 degrés, et en Y on va choisir 360, donc cette fois-ci c'est la copie du haut qui est venue se coller sur ma copie centrale, vous le voyez ici. On va créer le troisième effet miroir pour le troisième axe de symétrie, cette fois-ci on va travailler en X avec un angle de 180 degrés et une valeur X cette fois de 640. Je vous remontre encore une fois, voilà, cette fois-ci on a travaillé donc à gauche. Dernier axe de symétrie, dernier effet miroir qu'on ajoute à, notre calque d'effet. Cette fois-ci, on va être sur un angle de 360 degrés et en valeur X, on est sur du 1279. Voilà, on a fini. On a donc maintenant des liaisons beaucoup plus lisses entre chaque copie et ça va nous permettre de zoomer à l'intérieur sans que ce soit trop choquant. Donc il ne nous reste plus qu'à créer ce zoom et on va se servir pour ça du calque d'effet du dessus, celui-ci. On va utiliser un effet qui s'appelle transformation et qui a donc un attribut d'échelle. Je vous montre ça tout de suite. Donc transformation qui est dans effet vidéo déformation transformation. Vous faites un glisser-déposer, vous le placez sur votre calque d'effet du dessus. Donc vous l'avez ici avec tous ses attributs. Et donc on va s'intéresser tout simplement à l'échelle ici. Vous allez placer votre tête de lecture, alors déjà à l'endroit, la séparation entre les deux clips, et on va commencer l'effet 5 frames, donc 5 images à gauche de cette séparation. Donc vous allez appuyer sur la touche de gauche de votre clavier, 1, 2, 3, 4, 5, ici, et vous allez donc appuyer sur le petit chronomètre ici qui va activer les clés d'animation pour cet attribut d'échelle, voilà, et qui va vous placer automatiquement ici une image clé avec une valeur de 100%, qui est la valeur par défaut, hein, 100% de la taille, à cet endroit-là où était placée donc, votre tête de lecture. On va ensuite déplacer la tête de lecture à 5 images à droite de la séparation entre vos deux clips. 1, 2, 3, 4, 5. Et vous ajoutez une image clé en appuyant ici sur le petit cercle.
Voilà, on va changer la valeur ici de l'échelle, on va la passer à 300%. Et donc on va se retrouver maintenant avec une image qui prend l'intégralité de notre taille de séquence, tout simplement parce qu'on avait divisé notre image en 3, et maintenant on fait un zoom de 300%, donc on retrouve une taille normale. On va ensuite voir ce que ça donne. Voilà, donc vous avez votre effet de zoom basique, je vais vous le passer un petit peu au ralenti comme ça, on zoome, on change de clip et on continue de zoomer, donc on voit bien ici au début l'utilité de l'effet miroir ici qui va donc nous permettre de zoomer dans l'image sans que les séparations ne soient trop choquantes. Alors seulement là, ce n'est pas encore finalisé puisqu'on va ajouter un effet de motion blur, de flou de mouvement. Et pour ça, vous allez juste descendre ici dans vos options d'effet de l'effet transformation. Vous allez décocher la case utiliser l'angle obturateur et vous allez choisir un angle obturateur. Vous allez l'augmenter en fait. Vous allez pouvoir par exemple le mettre à, je ne sais pas moi, par exemple à peu près 200. Et donc on va le laisser mouliner un petit peu, vous allez obtenir comme ça un flou de mouvement. Vous voyez ici sur mon image, vous obtenez donc un flou de mouvement. Alors cette valeur ici, hein, elle peut aller jusqu'à 360. Personnellement, je ne vais jamais au maximum, sauf si vraiment vous avez des mouvements très rapides. Donc si vous utilisez moins d'écart entre votre frame 100% et votre frame 300% en termes d'échelle. Voilà. Donc par exemple, à 300%, ça donne ça. Moi personnellement, j'ai plutôt peut-être tablé sur du 250. Voilà, et on va tout de suite voir ce que ça donne. Voilà, donc là vous avez votre effet de zoom avec le motion blur. Et pour finir, on va ajuster la vélocité, ce qu'on appelle la vélocité dans le temps de l'effet du zoom, dans le but de créer une accélération et une décélération progressive de la vitesse de ce zoom. Donc vous allez ouvrir ici l'attribut échelle, et vous avez donc ici la vélocité. Donc vous avez, si vous choisissez, si vous sélectionnez comme ça vos images clés, vous allez pouvoir modifier. Donc là en fait, on voit que on a tout de suite une vitesse très rapide de zoom, hein, de l'effet zoom, qui après est constante et qui décélère très vite. Nous ce qu'on veut, c'est quelque chose de progressif par exemple. Hein. Donc je vais baisser ici la vélocité, comme ceci, je vais tirer vers la droite, je baisse également ici, comme ceci, et je vais essayer de créer un pic de vitesse au centre, là où je passe d'un clip à l'autre, comme ceci. Donc je vais vraiment accélérer progressivement jusqu'à la séparation des deux clips, puis décélérer progressivement jusqu'à la fin après de mon effet. Voilà, comme ça me paraît pas mal du tout. Si vous voulez, vous pouvez aussi ajuster ici les images clés pour que votre effet dure plus ou moins longtemps, hein, qu'il soit plus ou moins rapide, comme ceci. Et donc on va tout de suite voir qu'ici maintenant on a un effet de zoom avec vraiment une accélération progressive et une décélération progressive, ce qui est beaucoup plus pertinent. Alors bien sûr, ça je vous laisse vous amuser avec, hein, essayer de trouver des façons créatives d'utiliser la vélocité et ces images clés afin de créer vos propres effets de zoom avec vos propres volontés artistiques. Maintenant qu'on a fini de manipuler nos images clés, on va pouvoir déjà réduire la taille de nos calques d'effets afin juste d'optimiser. Donc vous voyez que là, mon image clé commence ici, donc je peux réduire la taille de mon calque d'effets. On va pouvoir comme ça optimiser cette taille-là afin d'optimiser le temps de rendu une fois qu'on exportera notre film. Voilà. La dernière chose que j'aime bien ajouter suite à ce calque d'effet, ça va être un léger zoom ici dans le clip. Alors cette fois-ci, j'ai directement touché au clip. Donc je vais le sélectionner et je vais aller dans l'échelle. Je vais ajouter une image clé à 100% au début. Je vais ensuite en ajouter une autre à 120% vers la fin. Je cale les deux images clés à gauche et à droite. Et donc ça va me créer un petit zoom continu, comme ceci, dans mon clip, donc qui va suivre le mouvement de mon effet de la transition en zoom et qui donne un petit peu de plus de cohérence et de logique dans la suite de mon montage. Si maintenant vous souhaitez refaire cet effet de zoom sur la transition d'après, vous avez juste à sélectionner les deux calques d'effets que vous avez là, vous sélectionnez la piste 3 et la piste 2, vous faites un CTRL-C, CTRL-V et vous déplacez ça sur votre deuxième transition. Et c'est bon, vous avez fait vos deux transitions avec l'effet zoom. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. N'hésitez pas à essayer ça chez vous. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur le petit pouce bleu. Et je vous dis, faites de belles photos, faites de belles vidéos. Ciao!